Le chauffeur m'a dit que tu lui as pris les clés hier et que tu es sorti toute seule. Où étais-tu? Je t'ai posé une question. Eh bien, parfois, je préfère me conduire moi-même, ok? Mais tu sais ce que je pense du fait que tu sortes toute seule. Mais où est le problème? Je t'ai posé une question et tu me tournes le dos. Pourquoi t'as une si mauvaise impression de moi? J'ai le droit de demander et j'ai le droit de savoir. Je l'ai fait pour me prouver à moi-même que peut-être je ne suis pas prisonnière dans la maison de mon mari. Je suis navré que tu te sentes ainsi. Mais tu sais que j'en mourrais si quelqu'un d'autre posait les yeux sur toi. Combien de fois vais-je devoir te promettre de ne jamais te tromper? Mais il y a 4 mois, tu as été prise dans une situation compromettante avec mon mécanicien. Cela a dû réduire ma confiance en toi. Oh mon Dieu, ok, jusqu'à quand vais-je pécher pour cette erreur? Dis-le-moi, jusqu'à quand? Je suis navré que tu ressentes cela. Mais j'aimerais te dire que d'ici le mois prochain, je serai active à nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai vu un spécialiste indien. Il m'a dit que si quelqu'un pouvait me rendre ma virilité, c'est bien lui. Vraiment? Oui. Attends, ça veut dire qu'on pourra de nouveau faire l'amour? Oui, j'en suis certain. C'est une bonne nouvelle, mon amour. Mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. Écoute, je sais ce que tu ressens. Je te promets, je vais me rattraper. Ok? Ne te méprends pas, s'il te plaît. Je sais, bébé. Je sais. Ah, mon cœur, je te montre ce que je viens de lire dans les journaux. Alors, regarde ça. Ok, suis-je censé le connaître? C'est Didier. Didier? Notre tout premier chauffeur, il y a 10 ans de cela. Celui qui t'a appris à conduire. Oh, ok. Waouh! Il a l'air différent. Personne ne reste beau pour toujours. Ok, alors, comment est-il mort? La rumeur court que il était un grand criminel à l'époque. Et selon la police, un grand rival a fini avec lui en mettant un clou dans sa tête. Ce n'est pas vrai. Oh, tout ça est là. mais attends, ne vont-ils pas ouvrir une enquête pour découvrir le coupable? Enquêter sur quoi? Oh, c'était un voyou réputé. Je pense que la police doit être ravie que quelqu'un les ait rendus service. La vie simple. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre? Bien, une pierre qui m'écrasait à mort m'a enfin quitté hier. Je revis à nouveau. Que veux-tu dire par là? Tu ne peux pas comprendre. Alors, fais-moi comprendre. Ok. As-tu un secret que tu n'as jamais voulu que personne ne découvre? Jamais. Je pense qu'on en a tous un. Eh bien, j'ai un secret que... Je pensais qu'il allait éclater un jour, mais... C'est enterré pour toujours. Donc, je suis maintenant une femme heureuse et libre. Donc, c'est ce qu'on célèbre? J'ai cru que c'était un anniversaire de mariage ou un truc de ce genre. Oh Dieu, ma prison, tu veux dire? Aîné, tu n'es pas en prison, crois-moi. Oh, vraiment? Tu devrais être reconnaissante. Tu peux t'offrir tout ce que l'argent peut acheter. Beaucoup de femmes tueraient pour ça. Hormis ce minuscule problème,
Je pense que Chief est un grand homme, un bon mari. Tu sais, Emma, en ce qui concerne le minuscule problème de Chief, je n'en peux plus. Donc, je tenais à te demander, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Je veux ce sac, s'il te Quel plaît. Sac? Le bleu. Tu veux toujours tous mes sacs. Si je te donne celui-ci, moi alors. Donne-le-moi, je l'adore. Je vais y réfléchir. T'as pas besoin d'y réfléchir, je te connais. On ira faire du shopping. Oh, vraiment? Oh. Tu attends quelqu'un? Waouh! Ton fils est de retour. Waouh! Waouh! Le semestre est déjà terminé. Maman! Hé, mon garçon! Viens là! Oh, mon Dieu, regarde-toi. Bonjour, maman. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Papa a envoyé un chauffeur venir me chercher à l'école. Waouh, qu'est-ce que t'es beau. Qu'est-ce que tu mangeais là-bas? De la nourriture. Oh, regarde-toi. En passant, où est papa? Ouais, il est en vie. Hey, tata. Hey. Ok, je vais à l'intérieur. Oh, qui est-ce? Mon ami. Oh, ok. Bon après-midi. Salut, comment tu vas? Je ne peux pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne le connais pas? Non, je ne connais pas vraiment son ami. C'est l'un des gros idiots de mon établissement. Idiot? Il ne m'a pas l'air d'un idiot pourtant. Crois-moi, ce gars est un idiot. Bon sang, Emma. Trop fière et enfouie d'orgueil. Retour à mon sac. Quel sac? Ma puce, je t'ai dit qu'on ira faire du shopping, ok? Hey Meg. Oui, frangin. Tu sais quoi? Je m'appelle Famine. Quoi? Y a-t-il à bouffer ici? Tu peux aller regarder dans la cuisine. Ah, ok. Fais-toi plaisir. Ok. C'est pas de nox, ça vient, ouais. C'est pas de nox, ça vient. C'est pas de nox. Mais on vous fume tous. Hey, je suis désolé. Pourquoi je traîne ce truc dans ma pièce de vie? Désolé. Vas-tu sortir d'ici? Maintenant. Désolé. Je suis vraiment désolé. Oh, merde. Oh, putain. Quelle merde. Ouh. Oh mon Dieu, je te l'assure, c'est grave.
Je t'enverrai l'esthéticienne. Okay. Mm-hmm. Je n'ai jamais essayé le micro-shedding. Tu es sérieuse? Ouais. Je l'adore. C'est mon préféré. Mm. Je hais tellement ce gars. Il est si dégoûtant. Pourquoi? C'est parce qu'il est fier et effronté. Voyons, meuf, il est jeune et beau garçon, alors c'est normal. Voyons. Il y a tellement de beaux gosses là-dehors qui se respectent. Celui-là, il n'a aucune dignité du tout. Ah ah. Mais puisque tu détestes vraiment ce mec. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il obtient tout ce qu'il veut en un claquement de doigts. Tandis que nous autres devons remuer ciel et terre pour un rien. Bien, s'il est très sage, il doit faire les choses correctement. Oui, il est sage. Il couche avec presque tous les professeurs féminins de l'école. Et en retour, elle lui donne de bonnes notes. Mais attends, comment cela est-il possible si tous les profs ne sont pas que des femmes? Bien, celle avec qui il couche travaille sur leurs collègues mâles. Tu sais, ces derniers ont parfois des vues sur leurs collègues femmes également. Oh, alors? Mm-hmm. Ça marche comme ça maintenant? Oui, c'est comme ça que ça marche. Ok. Au final, ils gagnent tous. Mm-hmm. Et nous, qui sommes bons, qui avons bossé si dur, finissons perdants. Tandis qu'ils gagnent tous. Ah... Mais j'ai appris que son tronc d'éléphant marche toujours pour lui. Ok. Quel tronc d'éléphant? C'est une référence à son bijou de famille. Wow. Mm-hmm. Oh, wow. Ouais. Ok. Ok. C'est intéressant. Ouais. Ils s'empressent de partager partout. Plusieurs femmes rêvent de le voir et même le goûter. Et il n'a aucune honte à le partager entre elles. Hmm. Il n'a aucune morale du tout. C'est pas vrai. Il doit donc être bourré de mal. Non, il est tellement propre. Ah ah, madame. Et comment est-ce que tu le sais, toi? Veux-tu insinuer que j'ai couché avec lui ou que je vais y coucher avec lui? Je t'ai posé une simple question. Eh bien, il m'a proposé un rencard, mais je lui ai dit non, parce que je ne m'imagine pas coucher avec quelqu'un comme lui. Pas question. Emma, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Comment sais-tu qu'il n'est pas rempli de maladies? Parce que les rumeurs courent comme le feu, et je le sais. Et j'ai appris qu'il ne couche avec personne sans se protéger. Donc... Ok. Tant mieux pour lui. C'est pourquoi je le hais, tu sais. Il est trop fier de lui. Quintessence. Beauté incarnée. Tu fais des envieuses et tu es le rêve de tous les hommes. Joyeux anniversaire. Comment vas-tu aujourd'hui, mon amour? Je vais bien. Joyeux anniversaire. Je t'ai acheté ce collier glamour. Uniquement fait pour toi. Cela a pris 5 mois au meilleur confectionneur de bijoux de la Suisse pour le fabriquer. Tu le mérites. Merci. Je t'en prie, mon amour. C'est fait. Merci. Je t'en prie. Merci, bébé. Je vais voir comment c'est. Il ne te plaît pas? Il est magnifique. Mais tu n'as pas l'air ravi. Bien. C'est juste que je m'attendais à une surprise d'une autre nature. À quoi est-ce que tu pensais? Bien, tu m'avais promis que tu irais mieux d'ici la fin de ce mois. Vraiment?
Oui, en effet, tu as dit que le spécialiste indien allait te soigner. Oh, en effet, je suis vraiment désolé. J'ai oublié de t'en parler. Ça n'a pas réussi. Oh, non, pas encore. Je suis désolé, ma chérie. Écoute, si tu étais désolé, tu n'allais pas me laisser souffrir. Ce n'est pas de ma faute si j'ai contracté le cancer de la prostate. Je ne suis pas devenu volontairement inactif. L'opération m'a endommagé. Voilà pourquoi je t'ai suggéré un implant peignant et tu m'as dit que tu allais prendre son compte. Non, c'est hors de question. Écoute, on n'a pas fait l'amour depuis 4 ans. Je suis humaine pour l'amour du ciel. Ma chérie, non, je ne soumettrai plus aucune partie de mon corps à une opération. Cette opération m'a causé trop de dégâts. Tu ne m'aimes pas du tout. Comment est-ce que tu peux dire ça? Je t'achète tout. Je te donne la somme d'argent dont tu as besoin. Eh ben, si tu m'aimais, tu n'allais pas me laisser vivre dans la frustration. Je souffre, putain. Je suis désolé, bébé. Comment vivre dans un foyer sans sexe et être heureux? Je brûle d'envie, nom de Dieu! Tu veux voir ma mort, quoi? Cette opération pourrait me tuer. C'est une simple procédure avec zéro mortalité. Tu pourrais au moins essayer. Oh, mon Dieu. Je sais ce que j'ai enduré la dernière fois. Et je n'envisage plus retourner vers cette expérience. Et même si tu ne risques aucun danger, à y aller. Je suis désolé, mon cœur, mais je ne le referai pas. Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Il a catégoriquement refusé de se faire opérer. Pourquoi? La peur. Il a peur de mourir. Mais ce n'est pas dangereux. Oh, Dieu. Seulement, il pouvait mourir. Le simple fait de le voir mérite ta mort. S'il te plaît, ne dis pas ça, ok? C'est quoi le mariage quand il manque ce qui fait de son mariage? Le pire dans tout ça, c'est que je ne peux aller nulle part sans que ses chauffeurs et ses espions ne me suivent partout. Je comprends, calme-toi. Oh mon Dieu, si seulement une voiture pouvait l'écraser et me libérer de cette maison. Oh non, aînée, ne dis pas ça. J'en ai marre. Je comprends. Vraiment navré, ma belle. Calme-toi. Je te fais un café. C'est bon, je vais bien. Tu en es sûre? Mm-hmm. Désolée, ma puce. Désolée. Désolée. Ah, tiritititin. Ah, tiritititin. Oh, bienvenue, madame. Merci. Où est tout le monde? Ils sont tous en haut dans la chambre. Est-ce que tout va bien? Tu es tellement prévisible. Pardon? Tu as une mauvaise influence sur mon fils. Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais tout à propos de toi. S'il vous plaît. Tout. S'il vous plaît. Ne croyez pas à tout ce que vous dites, Emma. Elle me déteste tellement. Parce que j'ai choisi de sortir avec son amie et par elle. C'est tout. Et je crois ce qu'elle dit. Comme je le disais tantôt, tu es prévisible. Si je peux me permettre, que voyez-vous? Je préfère ne pas le dire. Vous voyez peut-être, ou vous lisez, dans mes pensées. Tu te moques de moi ou quoi? Mais pas du tout. Qui suis-je pour le faire? Écoutez, la vérité est que si je dis ce que j'ai en tête, si je le dis, ça serait vraiment, vraiment très embarrassant. Alors je préfère ne rien dire.
Pourquoi? Parce que tu me trouves jolie. Waouh! Vraiment? Vous lisez vraiment dans les pensées. Vous êtes jolie. Tu sais quoi, vas-y. Dis-moi ce que tu penses, personne ne t'en empêche. Non. Non, 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 non. Vous d'abord. Moi? Mm-hmm. Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Croyez-moi. Vous avez plus à offrir que moi. Quoi? Je suis sérieux. Parce qu'à ce que je sache, ce qui vous court à l'esprit est pire que le mien. T'es qu'un pauvre et sale gosse, n'est-ce pas? Vous savez, quand la vérité frappe, elle n'est pas toujours agréable. T'es vraiment qu'un sale bâtard. De quelle vérité? Évidemment, vu votre façon de me regarder, je pourrais faire des conclusions. Essayes-tu de m'insulter? Non, je ne vous insulte pas, je dis simplement la vérité. Si je mens, alors dites-moi que faites-vous placer là, sous mon nez, me faisant comprendre le fait que vous me désirez autant plus que je vous désire. Mon ami avait tellement raison à ton sujet. Tu n'as absolument aucune moralité. Je n'ai jamais prétendu en avoir une. Oui. Eh bien, où est-ce que je le dépose? Attends, Laurent? Salut. Zeba, merci. Où est l'épicerie? Au frigo? À toi de le découvrir. Franck. Je suis un champion qui peut le nier. J'ai le pauvre qui me bat. Le test du perdu. Salut. Salut. T'es toujours autant minutieux dans toutes tes tâches. Vous savez, le détail est ce qui sépare la médiocrité de l'excellence. Donc, t'es le roi des détails. Je suis assez déçu comme un dieu. Tu sais, si tu étais une voiture, je t'aurais emmené pour te tester. Ah. Vraiment? Vous savez, tester une voiture veut dire que vous avez l'intention d'acheter. Bien sûr. J'offre un bon paquet quand ça vaut vraiment le coup. Wow. Pas mal. Pas mal. Mais il y a des risques. S'il faut le tester, ce véhicule, vous risquez de ne pas vous en passer. Vous en deviendrez accro. Bien, un test prouvera si cette voiture vaut vraiment le coup. Et non, tes paroles. Vous ne me croyez pas? Allons-y donc. Où, quand et à quelle heure? Pourquoi pas ici? Dans cette maison? Trop dangereux. Allons dans un lieu plus sûr. Écoute. Moi
Mon mari a des yeux partout. M'observe partout où je vais. Sauf ici, dans cette maison. Nous devons tenir compte du fait que nous vivons tous sous le même toit. Raison pour laquelle il n'y aura jamais de suspicion. Il suffit juste d'être bien organisé. Donne-moi ton numéro. Tu m'aides avec ça, s'il te plaît, Franck. Et s'il te plaît, fais attention, ok? D'accord, pas de soucis, je ferai attention. Merci. Excuse-moi. Salut, ça va? J'ai besoin du fer. T'as fini? Comme tu peux le voir, j'en ai pas terminé. Quand je peux t'aider à le faire? S'il te plaît, ne tâche pas mon habit de ta personne offensive. Meuf. Du calme. D'accord, vas-y doucement. Je vais juste t'aider. Je préférerais embrasser un cochon que de te laisser toucher à ce qui m'appartient. Génial. Meuf, mais qu'est-ce qui te prend? Rien du tout, ça va. Ah, mon Dieu. Allez, meuf. Tu as besoin d'aide? Non. Merci. D'accord. Pas de quoi. C'était un plaisir. Ah. Mais quelle dinguerie! Mais j'ai chaud là. Mais vraiment chaud. Un tour en voiture serait pas mal. Il faut savoir conduire. Écoute, frère, je pense que on pourrait trouver un moyen, tu sais. Si on prenait. Excuse-moi. Désolé, donne-moi une minute. Je dois prendre cet appel. Je reviens, un instant. Allô? Monsieur Muscle? Mais quelle voix! Vous êtes si douce. On dirait une douce voix attachée à mon cou. Quel flatteur! Bien que ce soit faux, c'est peut-être beau à l'audition, mais ma voix n'est pas aussi douce. Oh, voyons, c'est simple. C'est simple. Alors, si on mettait notre rendez-vous pour samedi? Je me demande vraiment comment on le fera. Écoute, ma cousine passera le week-end avec son fiancé. Écoute, tu sais, ce n'est pas l'endroit idéal. C'est hors de question. Et mon mari n'est pas un problème. Comment ça? Eh bien, il faudra le cogner à la tête avec un bâton pour qu'il se réveille. C'est tout pour ton fils, pas vrai? Vous n'avez pas de petite amie? Bien sûr que si. Écoute, je pense que je sais quoi faire. Je l'amènerai en boîte et je lui dirai que j'ai besoin d'une ou deux heures de temps pour faire quelque chose et après je reviens. Ça va marcher? Pourquoi pas? Je dois simplement lui dire que... Ok, c'est bon, j'irai avec une fille. Je lui dirai que je vais passer une heure avec cette fille et puis voilà, ce sera bon. Mais si tu mets plus de temps que prévu? Croyez-moi, c'est un gros fêtard. Même si je disparais pour 3 heures, il ne le remarquera pas, il ne le saura même pas du tout. C'est donc réglé samedi à quelle heure? Disons 2 heures du matin, c'est parfait, c'est une bonne heure. Ah, enfin. Après 4 ans, j'ai trop hâte. Et vous en faites pas. Ne vous en faites pas, je suis à votre service et vous allez adorer. Eh bien, à plus. Ok. Ouais. Ah. C'était qui? C'est rien, c'est juste une jolie demoiselle. Ah bon? Oh, crois-moi, frangin, elle sera avec nous ce samedi en boîte. Waouh! Crois-moi, on va s'éclater toute la nuit, ouais. D'accord. Alors, oui. Dans ce cas, je pense que... Mm-hmm.
Chérie, chérie, tu ronfles, peux-tu changer ta position? Chérie, allez, tu ronfles, change ta position. Chérie, chérie. Allez, viens. Ok, à plus tard. Voyons si ça peut marcher sur ton téléphone. Attends, fais-moi voir. Va dans l'App Store. Ouais, attends. Oui, va dans l'App Store. Alors, j'arrive, je prends cet appel. Allô? Allô? T'es là? Je suis là. Attends. Tu pleures? C'est quoi le problème? Je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Mais tu pleures. C'est le meilleur moyen pour moi d'exprimer ce que je ressens. Théo. Je sais juste cela d'ailleurs. Tourne-toi pour que je te vois. Après 4 ans, j'ai enfin ressenti ce que c'est que de revivre. Écoute, nous avons pris un gros risque la nuit dernière. Cela valait chaque seconde.
Je risquerai tout pour avoir une autre nuit avec toi. Et que nous devons être prudents. Je n'ai que foutre. Écoute, arrête de dire que tu t'en tapes, tu as... T'as beaucoup à perdre si jamais on se fait prendre. J'ai dit, je n'ai que foutre. Tu sais, tu as longtemps vécu dans le luxe. Je suis très certain que tu ne veux pas savoir ce que c'est que d'être pauvre. J'ai été un jour pauvre. Sans blague. Ouais. Je te raconterai un jour. Ah, d'accord. Mec, viens me montrer ce truc, voyons. Je te rappelle plus tard. Je t'aime. Quoi? J'ai dit, je t'aime. Yanné, je te rappelle plus tard, s'il te plaît, je t'en prie. Je te rappelle plus tard. Comment peux-tu... À plus. Oui, ok. C'est bon. Comment ça marche? C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est ça. Tchaï! Tchaï! Voilà, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est bon. Clique. Oui, clique dessus. Oui, c'est ça. Oui, là, c'était sagement. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici. Tu t'en souviens? Mais je pense que tu m'as dit que tu partais pour le week-end. Tu me chasses ou quoi? Voyons, ne dis pas ça. Où est Maximus? Est-il parti? Attends, Emma, pourquoi es-tu si fixée sur ce mec? On dirait que t'es amoureux de lui ou quelque chose. T'as l'air en colère. Parce que t'es remplie d'amertume. Alors que tout ce qu'il essaie de faire, c'est d'être ton ami. C'est parce que c'est une mauvaise personne, méchante. Eh bien, laisse-moi juger de moi-même. C'est notre invité, alors sois un peu courtoise. Ok, madame. Alors, t'as dit que t'allais rentrer lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Chief a dit qu'il voyage pour la Suisse. Vraiment? Tu ne le savais pas? Plus rien ne m'intéresse à son sujet. Bien, j'aimerais lui donner la liste des trucs que je veux qu'il achète pour moi. Qu'il s'en aille, pardon. Au moins, j'aurai la paix pour ma santé mentale. Ma puce, tu dois lui pardonner, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je le faire? Alors qu'il me fait vivre en enfer sur Terre, pourquoi devrais-je lui faciliter la vie? Ok. On entre. J'ai faim. Comme toujours, t'as toujours faim. Emma. Oui, monsieur. S'il te plaît, tu t'occupes d'elle. D'accord, monsieur. Ok. Je sais qu'elle souffre énormément. Je promets de lui donner le sourire à mon retour. Oh, monsieur, que voulez-vous acheter pour elle? Non. Ce n'est rien de ce genre. Hein? Je vais lui faire une surprise. Ne vous en faites pas. Ma bouche est scellée. Bien. je peux vous accompagner à l'aéroport? Oh, pourquoi pas? Ok, un instant. Je vais prendre mon sac. Bébé.
Si seulement c'était ma réalité. Mais c'est la réalité. Bon, ce que je veux dire, c'est que... J'aurais aimé que tu sois mon mari. Hey. Un jeune paumé comme moi, mais qu'est-ce que tu y gagnerais? Écoute, si tu es le genre d'homme que je pense que tu es, ça peut être possible. Je peux être ce que tu veux que je sois. Écoute, j'ai besoin d'un homme. Un homme qui sait comment saisir les opportunités. Un homme qui a des couilles. Écoute, s'il y a une chose dont je suis certain, et dont j'en suis vraiment sûr que j'en ai en abondance, ce sont les tripes. Je vais te raconter une histoire. D'accord. J'étais pauvre. Terriblement pauvre. Ma situation était sans espoir. Oh. Oui. Du coup, j'étais prête à me vendre. Pour nourrir ma famille. Parce que j'étais jeune et belle. Et les hommes... voulaient m'avoir. Ils étaient prêts à payer pour ça. Juste pour m'avoir. Mon père ne le supportait pas. Je n'en avais rien à cirer. Tu étais déterminée. J'étais têtue. Donc je me suis dit... Devrais-je laisser ma famille mourir de faim? Pourquoi ne pas vendre mon corps? C'est ce que j'ai fait. Mais mon père a tellement été traumatisé par mes actes qu'il s'est suicidé. Il s'est ôté la vie. Oh. Merde. Vraiment? Ma mère et mes deux frères m'en ont voulu pour ça. Je me suis sentie tellement rejetée. Jusqu'à ce jour... J'ai rencontré cet homme riche. Chief. Et quel âge avais-tu à cette époque? Je n'avais que 16 ans. Mais j'avais l'air très mature pour mon âge. Je me le disais bien. Parce que je n'arrête pas de me demander comment une jeune femme comme toi peut être la mère de Frank. J'avais 17 ans lorsque je l'ai mis au monde. Wow. Chief a comblé d'argent ma mère et mes frères et m'a fait sa demande en mariage. Quel âge avait-il? Il avait 48 ans. Wow. Et là, ça fait 32 ans d'écart d'âge entre vous deux et tu as accepté? Bah, j'étais amoureuse de son super compte bancaire, alors je l'ai épousé immédiatement. Mais aujourd'hui, il n'y a personne sur cette terre que je hais autant que mon mari. Que pourrait en être la cause? Bien. Jusqu'ici, tu as sûrement constaté que j'aime le sexe. Bébé, tout comme de milliers d'êtres humains. Tu ne comprends pas. Les mots sont tellement faibles pour décrire à quel point
J'aime le sexe. Ok. Je crois avoir une idée de ce dont tu parles. Donc, tout était parfait pendant quelques années, mais il y a 4 ans environ, tout a basculé d'eau. Que s'est-il passé? Chief a eu le cancer de la prostate. Et après son opération, tout a cessé de fonctionner là en bas. Donc, je vois maintenant. Je comprends mieux. Ok, ce sont des tourneurs autour du pot et tout ça. Alors, sois plus clair. Alors, que veux-tu que je fasse? Tue-le. Hein? Le tuer? Quoi? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu es quoi? Mais écoute, mais il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de l'un des hommes les plus influents, l'un des hommes les plus riches de mon pays. Et tu veux que je l'assassine? Alors? Bébé, t'es pas en train de... Écoute, il y a 5 milliards de raisons de prendre ce risque. 5 millions de Naira. Je sais, bébé, mais écoute, c'est très... Écoute, tout le monde meurt. Oh. Y compris les hommes riches tels que Chief. Tous meurent. Écoute, personne ne va suspecter. Qui va suspecter s'il meurt d'une cause naturelle telle que un arrêt cardiaque ou un truc du genre? Ouais, t'as raison, personne. Exactement. Ça ne sera pas évident. Ok. Mais il est préférable que nous réfléchissions sur un moyen plus naturel de le tuer. Maintenant, tu parles bien. Maintenant, tu parles bien. T'as dit que t'allais réfléchir à un plan. Oui, c'est vrai, j'en ai déjà un. Ok. Voilà. Attention. C'est dangereux. Tiens, tu vois ce poison? Ok. Ça marche comme le feu. En 15 minutes seulement, tu peux me croire. Le travail est fait, il crève et c'est une histoire du passé. Wow. Oui. Alors, quel genre de poison c'est que ça? Eh bien, c'est le venin du serpent le plus venimeux d'Afrique. Selon le gardien du zoo qui me l'a vendu. Ok, alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ça dans sa nourriture. Non, écoute, nous devons être très minutieux là-dessus. Ok. Tu vas le mettre dans sa boisson. Et tu vas le faire en présence de tous ceux qui vivent dans cette maison. Ok. Et à ne rien de temps, le poison va se mettre à agir. Et je t'aiderai à l'amener dans la voiture. Et une fois dans la voiture, assure-toi d'être en panique. Et voilà, et ainsi tout le monde connaît la cause de sa mort. Une morceau de serpent. Et d'ici là, j'aurai trouvé un moyen de déposer le serpent dans la voiture. Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Ça allait être très dangereux. Écoute, cela n'a absolument rien de dangereux. Nous devons être très, très stratèges là-dessus. Afin que quiconque ne se doute de rien. Personne ne sera suspecté. Alors comment le serpent va-t-il se retrouver dans sa voiture? Bonne question et je venais juste de te répondre. Je me charge de le mettre là-bas moi-même. C'est très simple.
Et après cela, la police. La police? Bien sûr, bébé, il s'agit bien d'un homme influent dont nous sommes en train de parler. Et c'est évident que la police débarquera certainement pour venir faire des enquêtes et tout ça, tu vois. Ce que tu vas le dire est très simple. Tu vas le dire qu'il est rentré ce soir-là, transpirant. Et tout ça. Et puis, tu le diras que tu penses que c'est dû à la fève ou un truc du genre. Simple. Et là, ce sera parce qu'il a été mordu par un serpent. Exactement, en plein, dans le mille. Okay. Personne ne se doutera de rien. Tout ça m'a l'air vraiment compliqué, mais on dirait que tu sais ce que tu fais. Allez, fais-moi confiance, je suis juste là. J'ai 5 milliards de raisons de ne pas te décevoir. Ça marchera, compte sur moi. Ok, ça pourrait marcher. Ça pourrait vraiment fonctionner si tout marche selon le plan. Mais ça marchera selon le plan. Selon quel plan? Bonne arrivée, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bien. On planifie de te tuer, vu que tu aimes t'immiscer dans les conversations des gens. Comment tu me fais vivre en enfer depuis tout ce temps? Si ce n'était pas l'ami de notre fils, j'aurais juré que vous êtes des amants. Ah. Alors dans ce cas, je lui aurais donné la moitié de ta fortune s'il acceptait d'être mon amant. Elle rigole. Ah. Chérie, tu n'as pas l'air contente de me voir. Écoute, je n'espérais pas te voir de si tôt. Ok? Écoute, c'est tout pour l'instant, ok? Oh, ok, je peux. C'est bon, merci. Bienvenue, monsieur. Bien. Je descends. Je n'ai jamais réalisé à quel point je t'ai causé tant de peine durant ces années. J'ai été une grosse mauviette et j'avais peur de me faire opérer comme un gamin. Ne me touche pas. J'ai fait l'opération. Tu avais raison. Il n'y avait rien à craindre. J'ai été une grosse mauviette. Tu l'as vraiment fait? Oui, je l'ai fait. Et c'est arrivé très vite. J'hallucine. Alors? Donc tu peux? Tu peux vraiment? J'ai 2 semaines pour une guérison totale. On aura des rapports à nouveau. Ok, mon ami, je m'excuse d'avoir causé tant de peine. Ça n'arrivera plus jamais, ok? Ah, oh, mec. Quoi de neuf? Ça va? Ouais. T'es ivre? Franck. Franck. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oh, j'ai vraiment envie. Oh, crois-moi, ce n'est pas une bonne idée. Écoute, si on ne le fait pas ce soir, je vais devenir dingue. Et si tu reviens, si jamais... Fais-le rapidement, viens.
Non! Non, c'est pas vrai! Chérie! Chérie! Hey! Chérie! 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 S'il te plaît, chérie! Chérie! Chérie, s'il te plaît, je suis désolée! Je suis désolée, pardon, s'il te plaît! S'il te plaît, je suis vraiment désolée! Je suis désolée! S'il te plaît, je suis désolée! Attends! Attends, je suis désolée! Je suis désolée! S'il te plaît, Tiff, ne fais pas ça! Hors de ma vue! Ne fais pas ça! S'il te plaît, calme-toi! Hors de ma vue! Non, pas question, s'il te plaît! Je m'occuperai de toi plus tard! S'il te plaît, calme-toi! Je suis désolée, je t'en supplie! Ne fais pas ce que tu vas regretter! Mon existence toute entière serait un regret! S'il s'échappe d'ici avec sa putain de queue! Je devrais d'abord me tuer! Pas de soucis! Je devrais d'abord me tuer! Pas de soucis! Allez, tue-moi! Tiff! 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 Que quelqu'un m'aide! Quelqu'un, s'il vous plaît! Aidez-moi! Franck! Franck! Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Franck. Franck. Ok, c'est toi. Franck, qu'est-ce que t'as? Hein? Franck, vas-y, parle-moi. Ton ventre. À l'aide! Franck, allez. Franck. Qu'est-ce que tu... Allez, Franck! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Que quelqu'un m'aide! C'est moi, mon Dieu! Je sais pas. Dieu, mon garçon, qu'est-ce qu'il y a? Que lui est-il arrivé? Je sais pas si je suis entré comme ça. Que lui est-il arrivé? Mon fils, je sais pas, je l'ai trouvé comme ça quand je suis entré. Amenons-le. Amenons-le dans la voiture. Dans la voiture. Fiston, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Docteur, s'il vous plaît, comment va mon fils? Comment va-t-il? J'aimerais vous parler dans mon bureau. C'est ok, plus... d'accord. Docteur, attendez. J'espère que tout va bien, docteur. Mon fils. J'ai ouf à Shama. Pitié, Seigneur. Protège cet enfant au nom puissant de Jésus. C'est bon, calme-toi, ça va aller. Oh, Dieu merci, il n'y a pas eu de transfusion sanguine. Personnellement, je hais les transfusions. Même si elles peuvent sauver des vies. Ouais, il existe plusieurs alternatives plus efficaces qu'une transfusion sanguine, comme celui que nous avons effectué sur votre fils. Oh, je vois. À vos clavis, quand est-ce qu'il s'en remet, là? On lui a fait un lavage de l'estomac. Mais il y a énormément d'alcool dans son corps. Oh... Je vais devoir faire quelque chose par rapport à son excès de boisson. Il semblerait que l'alcool a aidé à neutraliser le poison en grande partie. Vraiment? Ouais. En effet, les dommages auraient pu être plus sévères. Mais comment a-t-il réussi à ingérer autant de poison? Il est sorti boire avec ses amis. En effet, il sera placé sous haute restriction désormais. Quand est-ce qu'il pourra sortir d'après vous? Nous devons d'observer ses organes pendant quelques semaines. Oh Dieu! Docteur, je suis un peu curieux. Comment mon sang n'est pas compatible avec le sien? L'enfant ne partage pas toujours le même groupe sanguin que ses parents biologiques. Oh, ça me rassure. Pareille chose pourrait amener un homme à penser...
Mais dans votre cas, c'est assez particulier. Comment ça? Votre compatibilité avec votre fils est réelle, bien qu'étant impossible. Je ne comprends pas. Votre femme et vous avez un sang du groupe A, mais votre fils est du groupe B. Alors, que signifie cela? L'enfant hérite généralement du groupe sanguin de l'un de ses parents, ou de la combinaison des deux. Bien, attendez. Mon fils a un sang du groupe B. Docteur, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, monsieur, je ne sais vraiment pas comment vous le dire. Y a-t-il une possibilité qu'il ne soit pas mon fils? Oui, monsieur. Docteur, en êtes-vous totalement convaincu de ce que vous dites? S'il vous plaît, allez droit au but, docteur. Ok, ce que j'aimerais vous conseiller là tout de suite, c'est que nous pouvons faire un test d'ADN aujourd'hui pour le savoir. Je veux qu'on fasse un test d'ADN tout de suite. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, faites ça le plus tôt possible. Nous le ferons. Oh, comme je vais te faire souffrir. Tu ressentiras la douleur et tu imploreras la mort. Mais en attendant... Je suis désolée. Donc, toutes ces années, tu te foutais de ma gueule. Le pauvre imbécile qui a accepté d'élever l'enfant d'un autre homme. De quoi est-ce que tu parles? Franck n'est pas mon fils. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu dire une telle chose? Son groupe sanguin est de type B. Le mien A, ainsi que le tien. Je ne peux pas avoir un enfant de ce groupe sanguin. Il est ton fils! Comment peux-tu faire des conclusions à cause d'un simple groupe sanguin? Pour ton information, le test d'ADN est en cours. Et les résultats seront bientôt là. Jusqu'à là, tu payeras pour toutes les peines que tu m'as causées. Ouvre cette porte! Ne me pousse pas à te retrouver là, Bamba! Je suis encore tellement confuse. On était sur le point d'aller se coucher. Et puis, soudainement, j'ai entendu la mère de mon fils crier de la chambre de mon fils. Et c'était juste après que mon mari soit rentré à la maison. Donc, on s'est tous précipités dans la chambre de mon fils, où j'ai vu mon fils couché au sol en train de cracher du sang. Nous sommes allés à l'hôpital
Et c'est là que le médecin a confirmé qu'il a été empoisonné. Empoisonné. Par qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur, qu'avez-vous à dire? Vous n'avez aucune idée? Aucune idée. Étiez-vous ensemble? Non. Oh, rien du tout. Allez-y, madame. Ensuite, nous sommes rentrés de l'hôpital. J'étais tellement inquiète de la situation de mon fils. Alors plus tard, j'avais soif. Je suis descendue pour aller à la cuisine me prendre à boire. Étant dans la cuisine, j'ai entendu des pas dans le salon. J'ai cru que c'était mon mari. Donc je suis sortie. J'ai vu deux hommes étranges armés. J'étais sous le choc. J'avais la trouille. Je n'arrivais pas à comprendre comment ils sont arrivés là. Donc j'ai crié. L'un d'eux m'a dit de la fermer. Et puis, ensuite, l'ami de mon fils est descendu après m'avoir entendu crier. L'un d'eux lui a demandé de se coucher par terre. Il a paniqué et il s'est mis à s'enfuir. L'un d'eux lui a tiré dessus. Dans toute cette pagaille, mon mari a entendu le bruit dans la chambre. Il est descendu. Et lorsqu'il a vu les bandits, il est remonté en vitesse. C'était ce que l'un des bandits qui lui avait tiré dessus a commencé à le suivre dans la chambre. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des cris. C'était horrible. Alors, comment avez-vous su que votre mari était mort? L'homme armé a pris peur et ils sont sortis de la maison. J'ai cru que qu'il était mort. Ensuite, il s'est levé et j'ai remarqué qu'il avait été blessé. Oh wow, monsieur, puis-je voir la blessure? Ah, ok. Madame, savez-vous, par hasard, si votre mari avait de quelconques ennemis? Pas à ma connaissance. Ok. Pouvez-vous nous donner des noms? Quelqu'un qui serait une menace ou un ennemi? Donnez-nous juste quelques pistes sur lesquelles bosser, aucune idée? Je ne sais pas, je veux dire. Un ennemi ne se montre pas aussi facilement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, combien d'entre vous étaient présents lorsque l'incident s'est produit? Il y avait moi, mon mari. Oh, je vois. Détective. Madame, vous n'avez rien à craindre. Nous vous promettons de trouver la racine de ce problème sous peu. Concernant votre fils, nous enverrons quelques hommes là-bas pour le surveiller. Ok. Bien, inspecteur, allons-y. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée. Merci, oui. Hey. Honnêtement, t'as tout déchiré. Comment as-tu fait ça? Je t'ai dit qu'il fallait qu'on trouve une bonne stratégie, pas vrai? Qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? La police. Tu penses qu'ils nous ont cru? À 100%. Tout ce que t'as dit est vérifiable. Avec le fait que Franck soit toujours à l'hôpital avec le poison dans l'organisme, notre histoire tient. Quoi d'autre? Ouais. C'était un coup de chance. En effet. Tu sais quoi? En ce moment même, ils doivent être tous là dehors en train de chercher le meurtrier et ceux avec qui ils pouvaient avoir des ennuis. Dans nos sons libres, libres comme des oiseaux. Quoi? Le téléphone? Oui. Allô, docteur? Oui, comment va mon fils?
Oh, waouh, c'est une bonne nouvelle. Dieu merci. Ok, ok, oui, j'arrive tout de suite. Ok, d'accord, tout est là. Ok, d'accord, bye. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que Franck va bien. Écoute, il est hors de danger maintenant. Dieu, oh merci, mon Dieu, c'est génial. Écoute, je te l'avais dit. Je t'ai dit que tout allait bien se passer. Et tu peux toi-même le constater. Il manque une chose. Quoi? Et s'il se souvenait que c'est le jus qui l'a empoisonné. Il ne se souviendra de rien. Crois-moi, il est rentré ivre ce soir-là. Je l'espère bien. Pas de quoi t'alarmer, tu peux te détendre. Oh. Ça va mieux? Ouais. Viens là. Je suis tellement contente que mon fils soit hors de danger. Ouais, je te l'avais dit. Oh. Tu me crois maintenant? Viens là. Je suis vraiment désolé. Je suis sincèrement désolé. Frère. Écoute, tu dois être fort. Tu dois être extrêmement fort. Je comprends ce que tu ressens. J'essaie de me mettre à ta place. Vraiment. Mais tu sais, il faut que tu sois fort pour ta mère. Tu sais, si elle te voit pleurer, alors je pense qu'elle s'effondrera à nouveau. Ce n'est pas nécessaire en ce moment. Sois fort, frère. C'est bon. Je te comprends, je sais ce que c'est que de perdre un être cher, encore plus un père. Oh, infirmière, allez voir le patient dans la chambre B. Oh, d'accord, monsieur, pas de problème. Ok, bien. Ok. Ton téléphone sonne. Franck? Franck? Je peux décrocher? Allô? Oui, c'est le docteur Aizé à l'appareil. Ok. J'aimerais te voir. Est-ce que tout va bien? J'aimerais vous dire que je trouve qu'il y a quelque chose de louche entre votre mère et votre ami. Une relation inappropriée, et je pense qu'ils ont quelque chose à voir avec la mort de votre père. Hein? Ouais, c'est pourquoi j'aimerais vous voir. Et j'ai également quelque chose de très important à discuter avec vous, de très très important. Il s'agit de votre paternité. Ah! Ouais, je suis à la rue 9 aujourd'hui, donc voyons-nous là s'il vous plaît. Très important. Ok, merci. Merci. Il faut que tu sois fort. Tu dois être fort. Il faut que j'aille. Désolé, vraiment désolé. Pardon. Tu peux venir? Je peux te parler?
Ok. J'arrive maintenant. Quoi? Non, il faut que je te parle. Merde. Je crois qu'on est dans la merde. Quoi? Une grosse merde. Le docteur. Ok. Il est au courant de tout. Il sait quoi? Il sait qu'on est amants. Quoi? Oui. Apparemment, il est au courant que nous sommes derrière la mort de Chief. Comment le sais-tu? J'ai répondu à l'appel. Il a tout dit à Frank. Il croyait qu'il s'adressait à Frank. Il a même remis la paternité de Frank en cause. Quoi? Mon Dieu. Écoute, on doit l'arrêter une bonne fois pour toutes. On doit s'assurer qu'il n'en parle à personne d'autre. Je suis d'accord avec toi. Oh mon Dieu, on est mal barré. Pardonnez mon intrusion, monsieur. Oui. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? J'ai quelque chose pour vous. Qui êtes-vous? Je travaille avec le défunt docteur Izé, votre médecin de famille. Je m'appelle Ruth. Comment ça, défunt? En fait, le docteur Izé a été assassiné le week-end dernier. Quoi? Par qui? Aucune idée, mais il paraît que les assassins voulaient l'empêcher de donner ceci à votre père. Et qu'est-ce que c'est? C'est mieux de le lire en privé. Et je vous conseille vivement de faire plus attention à votre mère et votre ami. Pourquoi? Ils sont... Je veux dire... Le défunt docteur semble croire qu'ils savent exactement ce qui est arrivé à votre père. Que voulez-vous insinuer? Le défunt docteur Aizé était persuadé que votre ami et votre mère sont responsables de la mort de votre père. Je veux dire... êtes-vous dingue ou quoi? Et pourquoi est-ce qu'il le ferait? Parce que... Selon le docteur Izé, votre mère et votre ami sont amants. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils l'ont tué. Vous savez quoi? Fichez le camp. Monsieur Franck. Prenez tout cela au sérieux. Le docteur a dit... Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit fichez le camp d'ici. Désolé, monsieur. Vous voulez que je fasse quelque chose de stupide? Thank you.
Hey. Hey. Qu'est-ce que t'as? Je vais bien, et toi? Oh. Toi, comment tu vas? Bien, surtout quand t'es là. Mon Dieu, ces dernières semaines ont été un truc de dingue. Tout ça, c'est derrière nous maintenant, ça va? Oui, alors, puisque le boulot a été fait, où as-tu gardé cette arme? En lieu sûr. Je l'ai gardé sur le toit de la dépendance. Ah, écoute, je pense qu'on doit s'en débarrasser le plus tôt possible. C'est dangereux de la voir ici. Bébé, prends quoi en avoir besoin. Pourquoi? On ne sait jamais, il pourrait arriver n'importe quoi. Mettons ça de côté. Allez, raconte à l'endroit de ton but. Où en est l'héritage? Que s'est-il passé avec Lucie? Bien, tout s'est bien passé. Et comme je te l'avais dit, j'ai déjà reçu la moitié de l'argent. Et Franck a eu l'autre moitié de l'argent. Pas mal. Alors, qu'en est-il des biens et autres? Franck possède toutes les propriétés, les affaires et les compagnies. Et tout. Oui, tout ça, c'est à lui. Quelle beau chance. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mon fils est l'un des enfants les plus riches d'Afrique. Ouais. Fiston, qu'est-ce qui te prend au juste? De quoi parles-tu? Tu sais que c'est mal d'espionner les gens comme ça. Parce que je vous ai attrapé dans un moment d'intimité? Écoute, ok? Ton ami que voici a été d'un vrai soutien, ok? La mort de ton père m'a vraiment abattu. Oui, pour qu'il ait une place dans le lit de mon père. Quelle pensée répugnante. Notre rapprochement n'a rien d'intime. Si seulement les gens pouvaient choisir leur mère. Quelles sont ces bêtises que tu viens de dire? Vous avez été si négligent. Lorsqu'on m'a parlé de vos deux, je n'ai pas cru. Je ne voulais pas le croire. De quoi tu parles? Mec. Ferme ta sale gueule. Je ne m'adresse pas à toi. Écoute, je sais que tu... Je sais que vu les choses, je suis en train de faire ton deuil. Si tu dis encore un seul mot, j'irai à la dépendance prendre cette arme. Okay. Et je n'hésiterai pas à l'utiliser. Ok, j'ai ok. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ok, ok, écoute. Écoute, mon garçon, écoute, calme-toi. Calme-toi, ok? Je pensais que tu étais humaine, maman. Tu ne m'insultes pas. Sais-tu le traumatisme dans lequel ton père m'a plongé toutes ces années? Et donc tu devais le tuer? Oh, donc si je te tape sur les nerfs, tu me tueras, c'est ça? Écoute, mec, je veux pas me croiser les bras et rester là t'entendre insulter ta mère de la sorte, ça n'a pas de sens. Pauvre taré. Hé! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ça! Qu'est-ce qui ne fait pas avec toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as commencé tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as branché à ce camp pour que je l'amène dans cette maison. Pour aller avec cette femme. Ce mec est le fiancé d'Emma. Et elle est enceinte de lui. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Parce que tu es mignon et je veux que notre enfant ait tous tes attributs physiques. Enfant? Tu parles d'enfant? Tu sais très bien que cela ne sera pas possible dans un avenir proche. Pas tant qu'on n'a pas de bon boulot et après le mariage. On pourrait devenir riche. Et notre enfant n'aura pas à naître dans la pauvreté. Notre enfant sera si riche, il aura ton apparence et... Ne t'en fais pas. Écoute, j'ai une question. D'où est-ce que te vient cet intérêt soudain des enfants, des gosses? D'où est-ce que ça te vient? Je veux vraiment le savoir.
je suis enceinte. Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Tu portes un enfant? Oui. Ton enfant. T'as perdu la tête? Comment t'en es arrivé là? Non, vas-y, reprends-moi. Pour l'amour de Dieu, vais-je prendre l'argent pour te faire avorter? Mais où est-ce que je vais le prendre, cet argent? Ah, ah. Qui parle d'avortement? Je n'avorterai pas. Tu as fumé un joint? Non. C'est évident que si, sinon pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Tu fumes. Écoute, j'ai un plan. Un très, très gros plan. Tu connais mon amie, Aine. Ton amie avare? Elle est bien pire. Elle est méchante et égoïste. Oh. Elle nous rendra riches. Comment? Tu vois, Aine a un gros problème. Un très gros problème. Elle ne pense à rien d'autre qu'au sexe. C'est simple, ça s'appelle la nymphomanie. Elle est pire que ça. Alors, elle a un problème. Oh oui, elle en a. Parce que... Tu vois... C'est l'endure tout ça, alors comment s'en sort-elle? Comment est-ce qu'elle arrive à gérer ça? Comment fait-elle? Bébé, il n'y a absolument rien qu'elle puisse faire. Son mari est inapte, sexuellement parlant. Tandis que toi... Tu en as vraiment plein dans le pantalon. Et c'est là que tu entres en jeu. Écoute, tu vois, ce n'est pas une mauvaise idée, mais... Je pourrais trouver l'un de mes potes pour elle, et puis voilà, il fera le travail. C'est simple. Bébé, tu vas faire ce job. Moi? Oui. Tu veux que je couche avec ton amie? Tu couches avec elle parce que tu vas nous rendre riches. Super riches. Comment cela se fera-t-il? Aine ferait n'importe quoi. Je dis n'importe quoi pour le sexe. Et tu vas coucher avec elle. J'ai un plan. Un très gros plan. Et dans mon plan, tu connais son fils, Franck. Il est dans ton département. Ok. Tu sais, Franck n'a pas d'amis, il ne traîne avec personne. Tu sais, ce gars est un idiot. Tu vois cet idiot? C'est lui qui te donnera l'accès à la maison. Et une fois que tu auras l'accès, crois-moi, tout se mettra en place. Il se passe quoi s'il ne le fait pas? T'inquiète, commençons par là. Oh oui, j'ai mes plans. J'ai le plan A, le plan B, le plan C. Et si ça fonctionne, crois-moi, on sera tellement riche et fortuné que tu pourras m'acheter une G-Wagon, Range Rover, Venza, Benz, et je ferai du shopping partout et notre bébé sera tellement riche. Qu'en penses-tu? Non, il ment. Ne les crois pas. Mon Dieu. C'est un mensonge. Mon Dieu. Ne sois pas ridicule. C'est vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Dieu. Non. Je sais très bien que je peux te lire comme dans son livre. Et quand tu auras eu ta part d'argent, il a prévu te quitter et s'enfuir avec elle. Et il a raison. Je n'y crois pas. Il a raison. C'était ça le plan initial. Mais au fil du temps, crois-moi, je suis tombé amoureux de toi. Quoi? Je t'aime. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Ferme-la. Ferme ta gueule. Tu te prends pour qui? Ah. Tu oses même parler, tu as une bouche. Elle est meilleure que toi à tous les niveaux, dans tous les aspects. Tu es bien moche, tu lui arrives même pas à la cheville. Même au lit, elle est meilleure que toi, alors qu'est-ce que tu as à dire? Comment oses-tu, Emma? Comment as-tu osé? T'es ma meilleure amie pour l'amour du ciel. Tu sais absolument tout à propos de moi. Comment as-tu pu me faire ça?
ta meilleure amie. Qu'as-tu jamais fait pour ta soi-disant amie? Tu n'es qu'une seule ingrate. C'était soit non ou rien chaque semaine. Et t'as été incapable de me donner ne serait-ce que 3 millions de naira. Juste 3 millions de naira pour lancer un business. Et tu sais que Chief ne pouvait rien me donner parce qu'il savait que tu t'occupais de moi. Bien, je t'ai laissé rester dans ma maison. C'est un privilège que j'accorde rarement aux gens. Et les gars, je pense que vous aurez tout le temps de discuter de cela en prison. De quoi est-ce que tu parles? Personne n'ira en prison. Oh que si. Il te faudra d'abord des preuves. J'ai des preuves, tu peux voir. T'as enregistré tout ça dans ton téléphone? Fiston, tu n'oseras pas me dénoncer. Tu n'oseras pas. Très drôle, maman. Vraiment? Si cela parvient à la police, je te promets de faire en sorte que tu restes dans une peine totale juste après. Tu ne peux pas me déshériter. Vraiment? Bien. Je vais devoir révéler au monde entier que tu n'es pas le fils de Chief. Tu n'auras rien de son héritage. Si seulement papa l'avait su. Tu savais bien qu'il allait changer sa volonté. C'est pourquoi tu l'as tué. Alors dis-moi, qui est mon père? Ton père s'appelait Didier. C'était un criminel et un bon à rien qui a travaillé pour nous. Son corps est encore là. On peut faire un test ADN. Donc tu n'obtiendras rien. Au moins, je suis sa femme légale et tu n'auras pas ce qui me revient. Sais-tu que tu n'obtiendras rien? Si on arrive à prouver que tu as quelque chose à y voir avec sa mort, tu sais, je serai un homme libre. Et toi, tu périras derrière les barreaux pendant le reste de ta vie. En tant que bâtard, tu n'auras rien du tout. Alors, fiston, n'essaye pas de réveiller le chat qui dort. Laisse les choses telles qu'elles sont. C'est trop tard. Écoute-moi, ne fais pas ça, ok? Trop tard. Vous pouvez entrer, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation. Officier, officier, écoutez. Oubliez ceci et je vous donnerai 50 millions de naira cash avant demain. Ok? Quelle belle offre. Vous m'en direz plus au poste de police. Officier, prenez-les, vous prenez-les. Dehors, on y va. Je ne suis pas parmi, monsieur. Veuillez garder le silence. Allez-y. Avancez, veuillez arrêter. Madame, ne nous obligez pas à utiliser la force. Par ici. Par ici, s'il vous plaît. Par ici. Toi, devant. Avancez. Veuillez avancer. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.